Oui! Ça marche peut-être mieux, hein. Page auto. Non. C'est quel Pokémon que tu joues sur DS? Ici, c'est Pokémon Ultra Soleil Ultra Lune, Neyum. Non, c'est pas fini, Aelix. Tu veux vivre en France? Ouais. Owen? Non, mais après, toutes les régions ont leur truc, hein. Mais quand je le cherche pas, je le trouve! Mais qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi? Pourquoi le jeu? Pourquoi le jeu, il m'en veut? Punita! Pourquoi? Pourquoi quand j'en veux pas, je le trouve direct? C'est quoi cette mascarade? J'ai passé 2h40 à essayer de le trouver! On va le prendre. On va le prendre. Comme ça, je le ferai évoluer en galopa. Ok? Non, j'ai déjà Ponyta, mais j'ai pas Galopa. Je le prends, on le fait évoluer en Galopa. On ira faire une chaîne de Levenard à la caverne azurée, ça sera très bien. Merci Lenny pour le follow, bienvenue! Ouais, allez, je vais le prendre. Viens là, mon petit salaud! Et on retournera sur les évolis plus tard. Oh, il est tellement beau! Il est. Merde, faut que j'y aille, faut que j'y aille. Rrrr. Et alors là, ça va rentrer 1000 fois. Merci Clink332 pour le follow également. Merci Pacit pour les 300 bits. Merci beaucoup. Et le Ponyta qui est capturé directement. Incroyable YouTube. Incroyable. Un petit Ponyta après une chaîne de 22 Evoli. Je l'avais dit qu'on aurait. Vous vous souvenez, hein? Bon, pas vous YouTube, mais sur le live. J'avais dit qu'on aurait un Shiny avant d'arriver à 31. Je vous l'avais dit. Vous l'avez dit. Donc on va aller faire un petit screen. Pour Twitter, on va aller faire un petit post. On va faire évoluer évidemment Ponyta en galopin et on viendra ensuite avec toi pour les statistiques de ce galopin. Oh YouTube! Ponyta évolue! Incroyable! Pendant ce temps dans le chat, n'hésitez pas à proposer des surnoms pour galopin shiny. Allez-y, c'est maintenant! C'est maintenant, là, tout de suite, tout de suite. Oh il est beau quand même, ça va, hein. Ça va, il est beau, ça va. Ça, oh YouTube. On se retrouve avec Pégase. Oui. Pégase. J'ai du mal. Hein. Pégase, évident. Qui est. Alors j'ai rien regardé, hein. Qui est prudent de nature. Prudent c'est quoi déjà? Ça baisse son attaque P, ça monte sa défense P. C'est dégueulasse. Ses IV sont dégueulasses. Ce shiny est donc dégueulasse. Voilà, bon Pégase, bon on passe sur la signification du surnom, hein, on s'est surmené aujourd'hui, vraiment, on a tout donné. On est sur quelque chose de vraiment qualitatif, je pense. On est sur la quintessence même du jeu de mots, je pense, au niveau d'un surnom de Pokémon Shiny. Voilà. N'hésite pas du coup à venir sur Twitch, hein, on passe d'agréables moments. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager cette vidéo, évidemment, si elle t'a plu. N'hésite pas à nous dire si toi aussi tu as déjà eu un Galopin Shiny. Ça m'intéresse énormément, c'est pas pour le référencement. On se retrouve dans une autre vidéo YouTube pour un autre Shiny éventuellement, ou du Isaac, ou que sais-je, que sais-je. Et dans tous les cas YouTube, on se dit à la prochaine, d'ici là, prends soin de toi. Oh.